Ceci est l'histoire vraie d'un de ces hommes dont le sang n'est pas fait comme le nôtre, du sang de pionnier, d'aventurier. Je vais vous raconter l'histoire de Johann August Sutter, né le 15 février 1803 en Suisse allemande. Il démarre sa vie active par de petits boulots, tiendra un commerce, fera faillite et, risquant la prison pour dette, abandonne sa famille en 1834. Il gagnera le Havre avec un passeport français et obtiendra le financement de ce voyage par une fausse lettre de crédit. Il embarque sur le Sully pour New York. Il laisse derrière lui sa femme et ses 5 enfants. Il y débarque le 7 juillet 1834. Il a 31 ans. Pendant les 5 années que durera son périple, il essaiera de réussir ce qu'il a raté en Suisse. Suivant le courant de l'époque, il va vers le Missouri, à Saint-Louis. Il essaie plusieurs commerces, s'associe avec des congénères allemands et recrée un commerce de bazar en tout genre, à Santa Fe, au Mexique. Et par des coups du sort malheureux, c'est de nouveau le fiasco, il faut repartir. Tous ceux qu'il rencontre parlent d'un pays magique, dont on ne sait rien de précis, inexploré, d'une richesse légendaire. C'est le bout du monde connu. Seulement, il est loin, infiniment loin, et il faut risquer sa vie pour s'y rendre, traverser des steppes, des fleuves, des montagnes aux cimes vierges. Un pays de cocagne à sa mesure. En avril 1838, 4 ans après avoir posé pied sur le sol américain, il est déterminé à se rendre en Californie mexicaine, pour réaliser son rêve d'établir son propre empire agricole. La méconnaissance du pays, des voix d'alors, lui font faire un immense détour par Vancouver. Il y a fort à parier qu'il n'a pas vu ces merveilleux paysages, et pourtant, c'est bien par là qu'il est passé. Enfin le voilà, ce pays de cocagne. Nous sommes le 1er juillet 1839, 5 ans après son départ de Suisse. Yerba Buena, ancien nom de San Francisco, ainsi baptisé par les franciscains évangélisateurs, en l'honneur de leur saint, à savoir Saint François d'Assise. Considérée comme une île jusqu'au XVIIIe siècle, la Californie et San Francisco ne ressemblaient à rien, personne n'ayant trouvé encore l'entrée, c'est-à-dire la baie d'Oakland. C'est au mieux un misérable village de pêcheurs. Le gouverneur en place lui accorde une concession de 200 km², et c'est à la confluence du fleuve Sacramento et de l'American River qu'il établira la nouvelle Helvétie sous le nom de Forceteur. C'est un fameux cadeau, situé à un endroit idyllique, de l'eau à profusion dans ce désert, permettant l'irrigation à volonté et la force motrice. Et c'est avec ce qu'il appelle son armée, faite de centaines d'Indiens, de Kanaks, de Chinois, des centaines d'animaux, qu'ils remonteront la vallée du Rio Sacramento. On brûle pour défricher au lieu d'abattre, ce qui prendrait bien trop de temps et c'est bien plus fertilisateur. Et les résultats sont immédiats. En 2 ans, on récolte déjà du 500%. Et ce ne sera plus qu'ascension. Il est très habile pour acheter sans cesse tout ce qui passe aux Russes des commerces de peau, fabrique la meilleure eau-de-vie, s'y priser des cow-boys et des Indiens, militairement devient incontournable, achète encore et encore de la terre. 5 ans après son arrivée, le gueux, devenu capitaine Johann August Sutter, est le plus puissant, le plus riche de la Californie. Il fait vivre des milliers de gens, tous l'aiment, et le respecte. Quelle idylle! 3 ans encore, et il est à l'origine d'un flux migratoire incessant, voie de plus en plus grand, est au carrefour de toutes les routes de l'immigration, des rocheuses au Grand Lac Salé, exploite des forêts aux essences rares, minoteries, scieries, les animaux de ferme se compteront par dizaines de milliers, et tout se converge vers la Californie, l'Eldorado. Nous voici donc en 1847, 13 années après avoir fui son pays, Johann August Sutter était le maître du monde. C'est en janvier de cette année que le Mexique cède aux États-Unis la Californie, ce qui va être déterminant pour la suite de l'histoire. Au mois d'août de cette année 1847, on décide de construire une scierie sur le bord de l'American River au village de Coloma, comté d'Eldorado, ça ne s'invente pas. Un moulin y étant nécessaire pour faire fonctionner la scierie.
Le 24 janvier de l'année suivante, 1848, les ouvriers de Sutter, James Marshall et Peter Weiner, lors de travaux de construction de la scierie et du moulin, découvrent de la poussière d'or. 4 jours après, Marshall l'annonce à Sutter, qui lui demande le plus grand secret. Trop tard. Ça a fuité, dirait-on aujourd'hui, et ce sera terrible. Ils vont arriver par milliers, par dizaines de milliers, près de 100 000 en fait, de toute l'Amérique, du monde entier. Les entreprises seront désertées, les ouvriers de Sutter vont piller, détruire tout. San Francisco, village de pêcheurs, passera de 1000 individus à 25 000 en 3 ans. C'est la ruée vers l'or et au sens propre. Elle durera 8 ans. Les trompes de l'Alali ont sonné pour Johann Auguste Sutter. Viendra la curée. Il était le plus riche, le plus puissant, il est anéanti. Il fallait bien qu'il soit ce chiffre pour venir à bout d'un homme de cette trempe. Fort Sutter, îlot dans le désert, est devenu la Mecque de l'or, une métropole, bientôt une capitale. Un de ses fils, l'aîné, venu le rejoindre, créera de toutes pièces, pendant les années d'errance de son père, la ville de Sacramento, du nom du fleuve qui la baigne. Et cette errance, son calvaire, vont durer 30 ans. Le fait est que depuis seulement quelques semaines, la Californie mexicaine est devenue le 31e État américain, et il ne le savait pas. Ses titres ne valent plus rien. Il intentera 1000 procès, ira à Washington revendiquer ses droits. Sa famille est venue le rejoindre pour l'aider. Alors, c'est la curée. Pendant que tous s'enrichissent sur ses biens, des jugements en sa faveur sont rendus. Et devant la crainte de perdre cette manne, les spoliateurs par milliers, la canaille toujours avide de pillage, les nouveaux soi-disant propriétaires exhibent des titres, menacent de lyncher les juges, prennent d'assaut les palais de justice, les incendient, se ruent sur tout ce qui reste de Fort Sutter. Tout sera réduit en cendres. Il faut éliminer à tout prix toute trace d'acte de propriété. Sutter n'en réchappera que de justesse. Un de ses fils se tire une balle dans la tête. Un autre est assassiné. Le troisième se noie en s'enfuyant vers la Suisse. Sa femme, venue le rejoindre 15 ans après, lui survivra de 6 mois. Il s'est passé 10 ans. La ruée vers l'or est finie. Pendant 20 ans encore, Johann Auguste Sutter, qu'on appelle alors le général, a une pépite d'être l'homme le plus riche du monde, est redevenu le gueux qu'il était. Traîne à Washington dans les palais de justice pour réclamer ses milliards. Il se trouve sans cesse des avocats véreux pour lui peler le peu qui lui reste sur le dos et le pousser à poursuivre ses procès. Il réclame au Sénat, il réclame au Congrès. Non pas l'or qu'il a ruiné et tué sa famille, seulement justice. En vain. Le 17 juillet 1880, sur les marches du Palais des Congrès, un de ces malfaisants, pas plus haut que 3 pommes, lui annonce, pour rire, qu'il a gagné son procès. Le général Johann Auguste Sutter est foudroyé. On emporte son cadavre de mendiant, avec dans sa poche un écrit lui conférant, à lui et à ses héritiers, des droits que ne peut contester aucune juridiction humaine à la plus grande fortune de l'histoire. Personne, jusqu'à ce jour, n'a émis de prétention concernant cet héritage. Aucun descendant ne l'a revendiqué. Sacramento, San Francisco, un pays tout entier se trouve édifié sur le bien d'autrui, dira Stefan Zweig en 1927 dans ses très riches heures de l'humanité. Quant à Blaise Cendrars, à l'origine de ce grand oublier qu'est le général Sutter, source de mon inspiration, il rend justice à un grand destin, le droit au souvenir émerveillé de la postérité. Maintenant, enjambe l'abbé un pont d'une élégance rare, photographié par des millions de visiteurs de l'aube au cœur de la nuit. Ils ne l'ont pas baptisé Johann Auguste Sutter Bridge, non, mais Golden Gate. Un siècle avant sa construction, cela signifiait: par cette porte, vous pénétrez au pays de l'or.